Pas en plus. Ah ma mère, j'en avais une autre. J'en avais une autre, Didier, là, tant pis. Bah, prenez une bouteille de chacun quand même. Non, mais j'ai rien. Attends. Ok. Bon bah salut à tous. Aujourd'hui petite partie de pêche avec Gilbert et son frère encore. Donc pêche au bar, couef de 90. Il va faire chaud aujourd'hui, 38 degrés encore. Mais bon là on est à la fraîche, 6 heures. Juste on va faire du poisson, on va s'amuser. Si la vidéo vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis on se retrouve tout de suite autour de la vidéo. Allez, à tout à l'heure. C'est pendu. On a décroché un juste avant. Ça fait 50 je pense, 55. Non, moi. Il y a du monde là. C'est sympa là. Bon les amis, un très joli bar que j'ai pris au Dolastic 6 pouces, colerie TW102 comme d'habitude. C'est mon grand classique depuis le début de la saison. Et voilà un joli bar de 55-60. On va le mesurer en direct. Tiens. On va voir combien il fait. Toc. On va mesurer. On dirait comme ça au pire. Approximativement, ça fait 55 quoi. Très jolie fiche. Peut-être plus joli là. Hein? Oh. Ouais, pas vilain ça. Dès que je passe sur le delà 6 pouces, le noir là, ça prend. Ouais. Et là c'est plus lourd que 15. Pas vilain ça. Ouais mais je te disais moi aussi mais en fait avec le flot ils font la misère quand même. Ouais mais celui-là il tire plus que tout à l'heure. Je suis quand même sur la grosse canne non? Ouais. C'est déjà plus joli ça. Pour ça.
Ouais, mais léger, petite remontée. Ah, celui-là il est beau. Ça, ça fait 60. Voilà. Un joli bébé en fait. Bien gras. Vraiment bien bien gras. Magnifique. Allez, on va le mesurer. On sent la taille qu'il fait. En tout cas, il est bien gros, bien gras. Ouais, c'est un poisson qui fait un bon petit 60 passé. 60-61. On voit 60-61. Magnifique. Pour prendre ces poissons-là, il faut pêcher plus lourd, plus gros. Il y a pas mal d'écho entre deux eaux, mais ça veut pas prendre, donc enfin si, ça prend, mais des petits. Par exemple, là, comme vous avez pu voir, j'ai pêché plus léger entre deux eaux, et direct ça a tapé, et c'était un petit. Donc en général, entre deux eaux, il y a plus les petits, c'est pas toujours le cas, et dans le fond, on arrive à trouver les plus gros quand même, donc c'est pour ça. Je pêche plus lourd, plus gros en général, et ça triche, rendu à 3 poissons, et deux de quasiment 60, donc c'est pas mal, alors que Gilbert lui pêchait plus léger, il faisait des plus petits, dont pas mal de non maillés, et pêcher plus gros ça prit quand même. Là, si je voudrais faire des petits, je pense que je pourrais en faire pas mal en pêchant plus léger, mais je préfère faire des plus jolis poissons, ça donne un beau combat, donc c'est assez sympa. Allez, je remonte la dérive et on se dit à tout de suite. Allez, on va repêcher. C'est parti, on va laisser tomber au fond. Après animation toute tranquille au-dessus du fond. On va voir là, il va être 9h donc le soleil commence à se lever, ça peut peut-être changer. Après on pêche dans 8 mètres d'eau donc ça devrait le faire normalement. Ouais, aïe, là c'est beau. Là c'est beau. Des bateaux, on va y aller tranquille. Ça tient quand même. Il est pas vilain ce petit. Ouh, les. Allez, viens ici. Qui est vraiment en dessous. Allez, dans les bousettes. Allez, c'est parti. J'ai recollé l'air puisque là, il faisait la gueule un peu.
truc qui va pas dans mon leurre. On est top, mais... C'est joli là. Il se regarde quand même, hein. Ouais, ouais. Ah mais il est beau. Arrête! Putain, j'ai barré tout le con. Allez. Jette bien devant moi. Là, tu pêches entre deux autres, t'en piques un direct, à mon avis. Olé, olé. Je suis passé sur la petite canne comme toi. Bon, voilà, si j'ai plein d'écho, mais. Allez.
Là, tu sais que ça marche bien à l'aplomb du kayak, j'ai l'impression. Petit canapé. Hein. Non, non. Ouais, il fait chaud là. Bah, avec ta veste, je sais pas comment tu fais. Ça, c'est sympa. On va le mettre à l'épuisette, joli poisson. Il est détruit mon lien. Et ouais, la marée elle baisse. Pêche lourd maintenant. Ça fait chier ça. Ouais. Libère. Libère. Ouais, ouais, t'as plein d'écho là, Didier, si tu veux. Ouais, il est costaud celui-là. Il ne dit rien. Ouais, il est beau celui-là. Eh Gilbert, je suis passé sur la petite canne, ça marche mieux. Ouais. Comme toi, et ça prend à chaque fois. Ah, ça fait plaisir ça.
de la folie là. C'est de la folie. Tu fais des misères celui-là? Ouais, je suis sur la jeep. Dès que je suis passé sur la petite canne, à chaque lancée quasiment j'ai une tape. Alors je sais pas, peut-être parce qu'elle est plus souple. Ça peut la souplesse de la petite canne fait. Ouais. Ouais, parce que toi à chaque lancée t'avais des tapes. Je me suis dit. Bizarre. Un gros dans les fusées, ça a l'air, était où hein. Celui-là, il est pas vilain non plus encore. Oh putain, on est emmerdé par les touches ce matin. Ouais. Je sais pas, mais je pique que des 55-60 depuis tout à l'heure. C'est insolent. C'est insolent. Ah, j'étais juste en face de toi. Ouais. Ah, là, elles se sont pas calmées. Pas gros. Regarde, j'ai eu une tape, regarde, pour une lamine. Ah ouais. Elle a repliqué sur le monde. Non, ça maille, hein. Voilà, j'ai de l'écho. Ouais, là j'ai plus rien. Putain, il m'a tué le leurre encore. Bon les amis, franchement ce matin là il est 10h40, on s'est mis à l'eau à 6h. Au début ça a commencé tout tranquillement et après on est allé sur un endroit là avec une accélération de courant et c'était de la folie. Folie, que des barres de 50, 60, 67, 76 pour Gilbert. Donc vraiment des gros poissons. C'était le feu. Et le dolaï, il a vraiment fait la différence. Parce que Gilbert, il pêchait au crazy. Et il faisait des petits poissons. Du coup, je lui ai dit, bah, plombe plus. Mets un gros dolaï stick 6 pouces en coloris TW102. Et ça a payé. Alors, c'est le dolaï stick, c'est celui-là. Donc, celui-là, il a mangé. Vous le connaissez maintenant. Ça, c'est vraiment mon leurre de début de saison. Et après. Il a fait avec ce coloris là aussi, il a fait son 76 avec le coloris TW178, pareil avec une tête plombée 10 grammes là dans 7-8 mètres d'eau. Donc voilà, là on va continuer,
Je pense que je vais pêcher jusqu'à midi parce que là il commence à faire chaud déjà dès le matin 10h. Et de toute façon la pêche elle est faite, hein. On a dû faire 20 barmaillés peut-être, que des jolis. Donc c'était sympa, c'est vraiment éclaté. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ouais, là, libère. Là, ça maille. Il était au fond le bordel. C'est vrai? Ça maille. Ouais. Non. Voilà. Plaisir celui-là. Ça maille. Ouais, ça maille. Allez, 10 maillés. Derrière. Ça maille, je pense. Hein. Bah oui. Joli poisson, ça maille. Yeah. C'est le même. Parfait. Oh, peut-être un peu plus gros le mien. Non, non. Bien joué. Bon, fin de la journée. Une journée de fou aujourd'hui. On a fait 21 barmaillés pour Gilbert, 17 pour moi. Et combien toi, Didier? Deux maillets, dont ton record 70. 70 pour Didier, 76, 73 pour Gilbert. 67, 67, 66. Ouais. Puis après, entre 55 et 60. Ouais, pas mal. Ouais, quasiment 40 barmaillets aujourd'hui à 3, donc c'était plutôt cool. Ce matin, on les a trouvés pas mal au Dolastic. Et après, cet après-midi, pareil, même zone, mais on aura pris un petit peu tout, au Shad, au Dolai Shot, au Crazy Paddle Tail, Dolai Shad, un petit peu à tout quoi, et sans animation, vraiment à laisser derrière le kayak, à se laisser tirer avec le courant et à laisser traîner. Et ils n'étaient pas actifs et ils prenaient comme ça au final. Donc on est vraiment content, super super pêche. Voilà, vraiment top, moi je suis content, je bats mon record de maillet pour une session de 21. Voilà, donc j'étais à 18, je passe à 21. Mon record était à 74, je le fais à 76. Je fais un 73 aussi qui ne me déplaît pas. Enfin voilà, non, vraiment une super journée. Une météo parfaite. Beau temps. Voilà, c'était vraiment génial. La mer, on est bien, puisque ouais, c'est un peu canicule là, sur la terre. Donc en mer, on est bien, il y a le petit vent. Bien protégé du soleil, ça le fait, il fait bon. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, un petit like. Le partage et puis bah, oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao ciao, bye bye les amis.